Bonjour les femmes, quel est votre style vestimentaire? Aujourd'hui dans ma capsule mode, je vous fais découvrir quatre styles vestimentaires pour mieux vous connaître et surtout pour vous aider à mieux magasiner. Mais avant, je me présente, je m'appelle Marina, je suis propriétaire et styliste de la boutique Marina Prêt-à-porter depuis déjà 18 ans. Et notre mission à nous est justement de vous aider à vous sentir bien dans un vêtement, de vous sentir vraiment vrai dans votre personne quand on est dans un beau vêtement pour avoir confiance en nous. Parce que vous savez, ce n'est pas simplement une question de silhouette parfaite pour être bien dans sa peau. Alors, je vous dirais que quand on essaie de trouver son style, souvent on essaye de s'inspirer de magazines, de revues, de Pinterest aussi, et souvent de personnages publics. Puis Dieu sait si des fois on rate notre coup, on est déçu du look qu'on a voulu faire. Alors aujourd'hui, je vous présente quatre styles et la semaine prochaine, jeudi prochain, je vais vous présenter quatre autres styles. N'oubliez pas qu'on peut avoir un style prédominant ou deux, trois styles complémentaires qui vont vous aider à avoir votre personnalité. Pourquoi faut trouver notre style vestimentaire? Deux raisons pour accroître notre confiance en soi et pour mieux magasiner. Alors, je commence tout de suite avec le premier style, le style classique. La femme qui est classique va adorer les couleurs, le noir, le blanc, le marine, va adorer aussi toutes les coupes qui sont sobres, qui sont épurées. Donc, comme par exemple ici, elle va adorer les coupes de vestons qui sont très, très simples, très, très classiques, qui vont perdurer avec le temps, avec un beau chemisier avec quoi elle va le porter avec son jeans ou en sport ou même pour le travail. Elle va choisir quand même des pantalons aux coupes simples, des pantalons à des bases marines ou encore du noir ou du blanc comme je disais tout à l'heure, mais elle va quand même porter le jeans. Mais par contre, elle va choisir son jeans dans des coupes plus foncées, dans des coupes qui sont vraiment plus droites, qui sont intemporelles. Donc ça, c'est une manière de découvrir si on aime vraiment notre style qui est classique. Elle va porter aussi des couleurs, la femme classique, mais elle va toujours aller rajouter quelque chose à son style qui est vraiment très classique, qui est indémodable. Comme ici, elle peut très bien porter une robe aux couleurs vives, mais elle va aller rajouter son petit veston qui est intemporel, qui va se porter avec toutes les années, qui va donner un look un peu plus classique à sa robe qui va être un peu plus frivole. Elle va porter beaucoup de blanc, mais toujours avec des accessoires qui sont très classiques, comme le foulard ou juste un petit collier. C'est une adepte aussi des vêtements, pas des vêtements, mais des souliers escarpins, parce que pour elle, l'escarpin va avec tout, tout, tout. Notre deuxième style de personnalité dans le vestimentaire, c'est la femme bohème. La femme bohème, qu'est-ce qu'elle va porter? Elle adore les jupes longues. Elle va porter la jupe qui est très, très, qui va bouger beaucoup, qui est très simple, qui a des froufrous avec de la dentelle, par exemple. Elle va porter aussi des matières qui sont naturelles, comme le bambou, comme les tissus, le cuir ou des choses de ce type de matière-là. Elle va le porter vraiment. Ça, c'est la femme qui est vraiment la bohème. Elle va porter aussi des imprimés qui sont aztèques, des gros imprimés avec des pantalons là, très larges, avec le soulier un peu style romain. Donc, ça peut être tout simplement des imprimés comme ça qui vont venir rechercher la femme qui a un peu plus le style bohème. Ou encore, vous savez, on en a eu beaucoup aussi dans la boutique cette année, c'est la robe paysanne qui va chercher dans les années 70 vraiment le style hippies hein, qu'on voyait dans ces années-là. Donc ça, c'est la femme bohème. La robe là, qui est à froufrou, qui est à panneau, qui bouge beaucoup, elle va le porter avec une botte ou encore quelque chose là, qui ressemble à ça. Alors ça, c'est notre bohème. Et notre troisième type de personnalité vestimentaire, c'est la romantique. La romantique, elle va porter tout ce qui s'appelle petites fleurs, des choses dont le corps va être dénudé, les épaules dénudées, comme on peut voir sur le mannequin ici. Des choses qui sont vraiment très féminines, comme si je m'avance, vous allez voir un petit peu les détails, là, des boutons qui vont venir vraiment cintrer son corps
pour montrer ses formes, mais d'une manière très féminine, avec la petite jupe qui va être à foufou. Ça peut être court, ça peut être long. Ça, c'est la femme très romantique. Elle peut porter aussi le jean, c'est la femme romantique, mais elle va toujours aller chercher une petite touche très féminine dans le détail. Ça peut être le chemisier à fleurs, ça peut être par un foulard, ça peut être par un beau chapeau de paille. Ce sont tous des choses pardon, qui déterminent la femme qui est romantique. Notre quatrième style, c'est la femme qui est simple, la naturelle. Qu'est-ce qu'elle aime, la naturelle? Tous les tissus qui sont naturels, comme je le dis. Donc, le coton, donc ça peut être aussi le bambou ou encore le lin. C'est une adepte du lin, finalement, avec ses lignes qui sont très simples. Vous voyez, quelque chose dans ce style-là, c'est vraiment la femme qui est naturelle, qui va porter ce style de vêtements-là. Des choses qui sont épurées, des coupes qui sont comme celle-ci encore, des coupes qui sont nettes. Vous voyez, quand on regarde cette robe-là, la coupe, elle est nette. C'est vraiment quelque chose de très simple avec cette petite bretelle. Elle va aller rechercher vraiment des choses qui sont vraiment dans des beaux styles. Alors, vous voyez ici, ça, c'est vraiment la femme qui aime les choses qui sont très épurée, qui va être la femme naturelle. Quand on parle de la femme naturelle, moi je pense toujours à cette petite robe-là, vraiment une ligne droite, très féminine, col en V, manches courtes et encore avec les petites poches en avant. Ça, c'est vraiment la femme qui a un style vraiment très très naturel. Alors, comme je vous fais un petit résumé de nos quatre styles féminins de vestimentaire pour aujourd'hui, on avait la classique, la bohème, la naturelle et encore la romantique. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous inciter à faire des likes et puis à faire des pouces pour nous montrer que vous avez aimé notre vidéo. Vous avez quatre manières de nous rejoindre. C'est au 4850 Boulevard des Forges à Trois-Rivières ou encore vous nous appelez au 819-372-1175, marinaprêtaporter.ca qui est la boutique en ligne ou encore vous nous appelez via Messenger. Alors, je vous dis à jeudi prochain et nous vous incitons à venir nous voir et écrivez-nous pour nous dire quel est à vous votre style vestimentaire que vous croyez avoir eu parmi les quatre styles qu'on vous a présentés. Alors là-dessus, je vous dis à jeudi prochain pour quatre autres styles. À bientôt! 5.